L'interview du vendeur du Top Price. Congratulations, je suis à côté de John O'Connor de Bailey Lynch. Congratulations, such an emotion to have this. You have sold some horses for more money, but it's important to have the Top Price today, no? Of course, yes. It's very pleasing to have the Top Price again today. He's an extremely nice colt, very athletic, like you saw already. We said he walked like a puma, and so some of the top judges were very, very keen on him. So we knew he was going to sell very well. And he was bred by Dietrich von Bottiger, who bred Lope de Vega also. And so this colt was a three-quarter brother to Lope de Vega, and shared many of his characteristics, that great movement and the strength of the body. So I'm very pleased for Dietrich that he sold so well. And I'm very happy that John Ferguson, who's had a lot of success with Chamardal, obviously, will be keen to go and buy him as well. So I'm sure he'll do very well for them. Thank you very much. Thank you very much, John. Congratulations. Thank you. J'ai fait court. It was a short interview because there is a lot of people around him. But voilà, John O'Connor. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce que j'ai pas voulu le traduire en même temps pour laisser tranquille. Donc voilà, c'était vraiment tous les top judges, c'est-à-dire vraiment les gens, les acheteurs principaux qui étaient venus le voir. Il l'adorait, le cheval. Donc il était sûr qu'il allait faire un gros prix. Donc ça, pour lui, c'était très important. Et vraiment, le cheval marche comme un puma. Il walks like a puma. Donc voilà, il marche très léger. Magnifique cheval. La famille de Lope de Vega. Alors évidemment, John Ferguson, qui défend les intérêts de Sheikh Mohamed, le propriétaire de Chamardal, a poussé pour son étalon, ce qui est logique. Donc il a fini par avoir le cheval. On ne doute pas aussi qu'ils aimeraient bien avoir un successeur peut-être de Chamardal comme étalon, et un cheval de la famille de Lope de Vega. Vous savez, pour un futur étalon, c'est important d'avoir dans sa famille un Lope de Vega qui a déjà prouvé qu'il était capable de faire un étalon. Forcément, ça rassure l'éventuelle clientèle. Et puis qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Je ne sais plus. Si, qu'il était absolument ravi pour Dietrich von Bötticher, qui fait confiance depuis quelques années à Bailey Lynch Stud. Dietrich von Bötticher, c'est l'allemand de Gestüt-Ammerland. Eh bien, il était absolument ravi, très fier aussi de faire le Top Price de la journée, même si c'est pas le plus gros prix qu'il ait vendu, parce qu'il a déjà vendu des chevaux à plus d'1 million. Mais quand même, 720 000 euros, faut aller les chercher. Merci, John O'Connor.